Salutations voyageurs, nous nous retrouvons pour la suite des aventures du plus grand chevalier de la mort de tous les temps, bien sûr. On est humble et on a des objectifs atteignables, bien sûr. On est très humble, lol. Inventaire plein, bah nickel. Ça c'est ce qu'on appelle un bon début de vidéo, tu vois. C'est-à-dire on est passé en ville, on n'a pas vendu. C'est un bon début de vidéo. Mon dieu. Je me déteste des fois. Et je pense que c'est justifié. Oui, c'est justifié un peu. Vas-y, vas-y. Meurs, meurs loin de moi. Voilà. Meurs loin de moi. Pire phrase à dire à un proche, quoi. Meurs à distance, s'il te plaît. Meurs à distance respectable. Les distances de sécurité, bien sûr. Non, comment on dit? C'est les distances de sécurité ou une autre connerie? C'est pour le Covid là. Je m'en souviens même plus. Ça prouve qu'ils ont été très respectés hein, chez moi. En même temps, vous savez, gamer, on sort pas beaucoup. Hein. Et je vis à la campagne, du coup. Avant le Covid, il y avait deux personnes dans la rue. Après le Covid, enfin pendant le Covid, il y avait, je crois, une personne dans la rue, voire deux. C'était pas ouf. Hein. En gros, le Covid en campagne, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça a rien changé à ma vie. Genre, avec ou sans, aucune diff. Ça aurait même été mieux qu'ils fassent pas de comment dire. De confinement parce qu'en fait ça servait à rien. En fait c'est simple, j'ai l'impression que pendant le confinement, le peu de fois où je suis sorti, je crois que je suis sorti deux fois pendant le confinement, il y avait plus de gens dans la rue qu'en temps normal. Ce qui est étrange. Alors, chez moi il y a eu un effet inverse pendant le confinement. Pourquoi on parle de ça? On dérive, hein, on dérive beaucoup. Bienvenue, nous jouons à World of Warcraft. On fait une quête très intéressante. Où on doit tuer des abominations d'ombre. Voilà. Voilà, fin de l'histoire. J'espère que vous êtes prêts. Ne clignez pas des yeux, ça peut aller vite. Ne clignez pas des yeux pendant la durée de la vidéo, quoi. 30 minutes. 30 minutes à pas cligner des yeux. Ouf, ça pique, hein. Elle est où ma goule? Elle est loin. Ah, elle est loin. Ah oui, c'est vrai, je suis mort. Alors, je suis mort parce que j'ai été transformé en goule. Du coup, j'ai dû exploser. Et quand t'exploses, ben, tu meurs. Faut dire. Hein. Ça m'était sorti de la tête. C'est pour ça que j'avais plus ma goule, du coup. Ça, par contre, les dégâts... Elle est où ma goule? Elle est là. Ah, mais elle se fait discrète des fois. Pas bien, montre-toi. Montre que tu existes, tout ça. Alors attendez, on va déjeuner. Un petit déj. J'aime beaucoup cette arme, le petit katana là, couteau à découper le sanglier infernal. C'est un couteau ça? Eh ben.
Heureusement qu'ils sont pas comme ça pour la cuisine, imaginez un peu. Ça serait compliqué quoi. Il faut aller dans le salon pour faire la cuisine. De manière plus ou moins safe. Voilà, regardez les dégâts. Les dégâts, ils rigolent pas. Ça, ça repop vite. Voilà. Allez. Voilà. Attends, on en a 4 à fouiller déjà. Alors, voyons voir. C'est de la maille. Quoi qu'on jette. Quoi qu'on jette. Va falloir vider son sac hein, au bout d'un moment. Parce que ça va finir par se voir. Vraiment, j'ai pas les réflexes. En fait, c'est un des réflexes que vous devez avoir quand vous débutez au jeu. Et moi, ça fait 15 ans que je joue au jeu. J'ai toujours pas le réflexe de vider mon sac quand je passe en ville. C'est vraiment coup dur. Hein. De là à dire que je suis le pire joueur de l'humanité, il n'y a qu'un pas. Hein. Oui, tout ça parce que j'ai pas vidé mon sac. Meurs. Merci. Putain, les dégâts qu'elle prend, elle prend quasiment rien quoi. Meurs. J'ai rien de mourir, voilà. Bon, et de une. Bon, on va passer à la suite, on va aller tuer couvre-œil là, c'est ça? Grimlock. Peut-être faire une annonce. Personnaliser Grim. Comme ça, un Grimlock. Attends, je vérifie. Oui. Grilock, pardon. Il n'y a pas de L. Grilock. S'inscrire. Recrute. Ok, y a personne. Au pire des cas, je pense pouvoir la faire toute, tout seul. J'allais dire toute seule. Je suis de temps en temps, je suis une femme. Hein. De temps en temps. Mais en tant que chevalier de la mort, je me vois bien la. La réussir en solo. Il me semble que j'ai réussi avec mon druide. Après, mon druide était peut-être un peu plus haut level que 64. Je sais plus, mais on va essayer dans tous les cas. J'ai l'impression qu'il n'y a personne pour venir de toute façon. Venez-moi en aide. Tant pis. Bon, non, faut être tranquille. On se soigne même pas. Hein. Et voilà. Eh bah oui, inventaire plein. Il est plein, il est plein, il est plein. Alors. Les écailles salies. Hop. Donc il y en a deux qui à rendre là. Une ici, honorer les morts, et. Trois ici, ok. J'ai l'impression que ma souris est un peu rapide, là, un peu lente. Là, elle me paraît bien. Mais ouais, ça fait des mouvements un peu brusques de temps en temps, je sais pas pourquoi.
Bon, on va vendre. Là, je pense ne pas oublier. Exceptionnellement, je ne vais pas oublier. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mogra, toi, mon gars. Ouais, cuir. Bah, le cuir est mieux, mais de là à le prendre. Le problème, c'est que c'est du cuir. Ah oui, c'est un problème un peu gênant. Oh, bon, le là. Crête du vide, mais il faut la rendre où, là? Je le vois pas. Cadavre, il y a un cadavre. J'ai vraiment une quête à rendre là? Bah oui. Sûrement mon mec qui est censé être là. C'est pas grave, on reviendra. Je reviendrai un jour. Je m'en doutais. Je m'en doutais, la mémoire d'un poisson rouge, mon gars. Un poisson rouge, t'as peur. Hein. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Acheter. J'aimerais que tu achètes ma merde. S'il te plaît. Une pièce de cuivre, bon, c'est tant pis. Hein. Ça, on va le garder au cas où on doit tanker à un moment donné. Ça, on va le vendre. Ça, on va le garder pour la banque. Ça, on va l'envoyer au mage. Les étoffes, on sait jamais. Peut-être on aura besoin un jour. Un jour. C'est terrible comme phrase. Hein. Un jour, peut-être. Ok, parfait. Est-ce qu'il a repop notre ami là? Il y en a un qui a repop mais pas le bon apparemment. Ça doit être le mec. Voilà. Je m'en doutais qu'il était là. Bon, faut retourner tuer le truc des abysses. On va peut-être aller rendre les trois. Les quatre quêtes. Avant d'aller voir le machin des abysses là. En tout cas, c'est très plaisant de jouer des cas. Avant cette petite aventure avec le avec un DK, je n'avais jamais joué DK. Et honnêtement, c'est très plaisant à jouer. Déjà parce que c'est fort. Et après, je sais pas, le gameplay me plaît en fait. Bon, le gameplay est pas très difficile, mais c'est quand même assez plaisant. Est-ce que vous avez compris que c'était plaisant? D'ailleurs, j'ai vu, il y avait un nouveau Soul-like qui est sorti. J'aimerais bien le faire en vidéo. Malheureusement, j'ai regardé mon porte-monnaie et en fait, je me suis dit, oh, tant pis. Tant pis. Du coup, je le ferai. Mais plus tard. Il faut retourner là-bas au bout. Enfin, je le ferai peut-être de mon côté cette quête. On va faire d'autres quêtes. Il est déjà 65, hein, le DK. Ça va vite, hein. Faut dire que je prends énormément de plaisir à le jouer, du coup j'imagine c'est pour ça que ça me paraît plus rapide. Mais y a rien. Il y a un DK qui se fait plaisir là.
Putain, il me suit pas, dommage. Regardez un peu les dégâts que je fais juste en posant mes marques, tu vois. Enfin, mes marques, mes maladies. Ah, mais c'est pas eux. Ah, ok, c'en est des spéciales qu'il faut abattre. Hein, comme ça, ok. Ok. Insoumis. Vous êtes un insoumis, monsieur? Vous êtes un personnage de gauche? C'est les électeurs de Mélenchon, c'est ça? On tue des insoumis, coup dur. Coup dur pour la gauche. J'ai vraiment lu insoumis alors que c'est incontrôlé. Attends, je suis matrixé à ce point-là. Attendez, j'ai un truc à vérifier important là. Non, c'est bon, il y a insoumis, ouais. Putain, je me suis dit, putain, je vois de la politique partout, c'est dramatique. Mais non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Alors que j'aime pas la politique, hein. C'est bizarre que ça puisse arrêter. J'en ai déjà parlé, mais j'ai voté qu'une fois dans ma vie. Et c'était pour Mélenchon, justement. C'était en 2017, et depuis, je n'ai plus jamais revoté de ma vie. La politique, c'est pas un truc qui me passionne, hein. Moi... Moi, c'est les jeux vidéo, et les mangas, le reste, je vous avoue, ça m'intéresse que très peu. Et pourquoi j'ai voté Mélenchon? Parce que, bon, comme ça. Il me semble que c'est quelqu'un qui me l'avait dit de le faire, et du coup, ben, comme c'est quelqu'un que j'aime bien, ben, j'ai un peu écouté, quoi. Mais maintenant, je n'ai plus l'intention de voter de ma vie. Enfin, je vote, mais blanc. Sinon, je vote rien. Enfin, je vote pas pour quelqu'un, quoi. Mais mon avis sur la politique, c'est que ça ne sert à rien. Pas que la politique n'est pas importante. C'est les politiciens qui décident d'un peu tout, on va être honnête. Mais je pense qu'on n'a pas une si grosse influence que ça. Même si on vote. Même si on vote, ça ne va pas changer le monde, quoi. Que la magouille est un peu partout. En vrai, je suis très négatif, hein. Je suis très très négatif. J'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un de très négatif en général. Si je suis positif, c'est que vraiment c'est positif, quoi. Selon moi. Mais quand c'est entre les deux, ben, je suis négatif. C'est pour ça, hein. Quand je dis que j'aime bien un jeu, c'est que vraiment je l'adore. D'ailleurs, je me dis, un jour, si je suis un grand youtubeur ou un grand twitcher, il va falloir apprendre à mentir. Hein. Parce que si en pleine sponsor, je suis là, bah, c'est de la merde. Ça va peut-être mal tourner pour moi. Hein. Oh, quoique, on s'en bat les couilles. En fait, pour moi, soit c'est bien, soit c'est de la merde. Y a pas de ouais, c'est pas pour moi. Bon, ça va, je me retiens un peu. Hein. Avant, je disais ouais, c'est de la merde. Maintenant, je dis ah, oh, j'aime pas. Pas tout le temps, pas tout le temps, j'avoue. Ça m'arrive de rester honnête un peu. Mais c'est quoi ce taux de pop dégueulasse? C'est la guerre mondiale. Bon, il faut s'enfuir d'ici, hein. De toute évidence, on n'est pas chez nous là.
Ah non, vas-y, on va fouiller tout ça. On va prendre les trucs d'ombre. Et on va se casser parce que sinon on est là jusqu'à demain. On en a tué tellement quoi. Laissez-moi m'enfuir. T'as regardé les dégâts de la goule quoi. Elle l'a quasi. Oh bon. Mes dégâts à moi aussi ils sont un peu indécents. Chevalier de la mort c'est très fort. Est-ce que je l'ai déjà dit? Oui. Oui. Combien de fois? Beaucoup trop. Mais pour le coup c'est vraiment très très fort. Je pense toutes les classes à stuff équivalent à un moins bon DPS que DK. Sauf peut-être mage. Mage pour le coup c'est vraiment très fort. C'est quoi ça? J'ai cliqué dessus mais je ne sais pas ce que c'est. Mage arcane peut-être c'est devant un DK au DPS. Et encore. Un stuff équivalent. Et pareil, en termes d'utilité, par exemple le DK impie, il augmente les dégâts magiques et du coup bah, il t'en faut un par raid. Un givre, il t'en faut un par raid parce qu'il augmente la hâte des gens en mêlée. Et les sangs, il donne 10% de puissance d'attaque à tout le monde. Il te faut un DK de chaque spé dans tous les raids. C'est très fort. Mais voilà. Et en plus, en termes de plaisir de jeu, c'est la classe que je préfère jouer en ce moment. Devant mon mage. Après, c'est peut-être la découverte. Hein. Ah, je me suis foiré, dommage. Bon, après pour ce que ça change. C'est dommage, niveau racial chevalier de la mort le mieux, bah pareil pour chasseur d'ailleurs, le mieux, enfin, ça dépend de l'aspect du chasseur hein. Chasseur, spé bête, t'es obligé de jouer si tu veux être au petit hein. T'es obligé de jouer orc pour les dégâts du familier, c'est un peu dommage à ce niveau là, les bonus racial ratio, ouais c'est mieux. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas supprimé au fil du temps les bonus raciaux. Ratio. Oui. C'est étonnant que cette mécanique ait resté aussi longtemps. Parce qu'en vrai, j'aurais fait quoi si, admettons, il n'y aurait eu aucun bonus ratio, qu'est-ce que j'aurais fait? Racial? Aucun bonus racial? Oh, c'est un des deux, mais dans tous les cas, on s'en bat les couilles. Lequel? Peut-être troll, mais pareil c'est pour le bonus racial en vrai. Ouais. Ouais, peut-être un mort-vivant du coup. S'il n'y a aucun bonus racial qui booste quoi que ce soit, j'aurais peut-être fait un mort-vivant parce que c'est stylé quoi. Après, orc, j'aime bien. Orc féminin, j'aime beaucoup. J'aime plus que orc masculin parce que j'aime pas trop un peu la carrure. Je trouve la carrure de l'orque masculin un peu trop
un peu trop imposante, on va dire. Et comme ça, c'est juste bien, en fait. Et pareil, les moves un peu de des orques féminins, je trouve ça cool. En tout cas, je commence à espérer en vrai. Je pense que c'est... Enfin, je pense à espérer. Ça veut rien dire. Hein. Sans le contexte de ce qui se passe dans ma tête, vous comprenez pas ce que je veux dire. Je commence à avoir de l'espoir du fait de gagner de l'argent avec YouTube et Twitch. Surtout avec Twitch. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il me manquait 25 followers pour commencer à avoir de la pub et débloquer les subscribes. Du coup, je me dis, peut-être... Peut-être on va gagner de l'argent au bout d'un moment. Et ce serait cool en vrai. Parce que... Je gagne de l'argent dans la vie, mais... Pas assez pour faire ce que je veux, quoi. En fait, j'aimerais bien gagner assez d'argent pour... Pour pouvoir acheter un peu tous les jeux que je désire. Pour les faire en vidéo. Sans... Me dire, ah ouais, si j'achète ce jeu là, ben je peux pas en acheter d'autres ce mois-ci parce que sinon c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire. En gros, ce serait bien de gagner assez d'argent sur YouTube ou Twitch, un des deux, pour me dire, bon, j'achète ce jeu là de toute façon en faisant 3-4 vidéos, enfin 3-4 vidéos, en faisant un let's play, je vais être remboursé, tu vois. Et en fait, ça ce serait incroyable. Parce que j'aurais pu me prendre la tête niveau argent. Je pourrais plus ou moins jouer sans payer les jeux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, normalement oui. C'est pas complexe ce que j'explique. Et ce serait incroyable. Hein. Je pense que tout gamer rêve de... Enfin rêve. Peut-être pas, mais... Tout gamer un peu dans la merde comme moi. Aimerait ça quoi. En vrai, je suis pas dans la merde financièrement, tu vois, je vis correctement, je mange bien, je manque de rien. Mais juste, je peux pas faire de folie, tu vois. Par exemple, mon PC, bah, j'ai un Shadow, tu vois. Si j'ai un Shadow, c'est que mon PC n'est pas suffisant pour faire ce que je veux en stream, tout ça. Et pareil, pouvoir me débarrasser de... Bref, faut gagner de l'argent, quoi. Faut gagner de l'argent. C'est le nerf de la guerre, hein. Après, je pourrais acheter un PC à 3000 balles, tu vois. Par contre, je vais être dans la merde pendant 6 ou voire quasiment un an, tu vois. Du coup, ben, on va peut-être pas le faire, quoi. Mais techniquement, je peux, hein. J'ai l'argent sur mon compte en banque, tu vois. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas de travail. Sur mon compte en banque, j'ai 8000 euros. C'est beaucoup, hein. Je suis un peu trop honnête, hein. Il y a un peu trop d'honnêteté là dans cette vidéo. Bon, de toute façon, ça change quoi, vous me connaissez pas. C'est pas comme si ça avait quelconque danger de vous dire que je vais sur mon compte en banque. Mais disons que cet argent. Non, on va s'arrêter là. Là, j'allais encore dire un truc un peu trop honnête. Bon, en vrai.
J'allais dire en vrai, c'est pas grave, mais. Être trop honnête, c'est dangereux parfois. Disons que ça pourrait se retourner contre moi un jour. Bon, en vrai, si vous avez regardé l'intégralité de mes vidéos sur ma chaîne, vous êtes au courant de où vient mon argent. C'est pas un truc bizarre, c'est juste. Bon, je vais vous le dire, hein. De toute façon, on a déjà commencé à être trop honnête. On va continuer dans l'honnêteté, hein. C'est des héritages. J'ai l'héritage de mon père et ma mère, quoi. Parce que je les ai perdus il y a un an. Eh oui. Du coup, je vous cache pas que j'échangerai. J'échangerai volontiers tout mon argent pour mes parents. Hein. Un peu d'honnêteté. Hein. Bon, je pense que tout le monde ferait ça. D'ailleurs, le deuil, c'est dur. Hein. Ça fait un an et j'y pense tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à mes parents. Mais le deuil, c'est dur pour tout le monde. C'est pas juste moi, c'est pas juste vous, c'est dur pour tout le monde. Après, t'entends des dingueries, hein. Moi, j'ai entendu des dingueries, hein, depuis que j'ai perdu mes parents. Notamment, oh, mais tu sais, attends, qu'est-ce qu'il m'avait dit, putain? Je l'ai rangé dans la case connard, hein, quand il m'a dit ça. C'est dans la nature ou une connerie du genre. Et là, quand j'ai entendu ça, honnêtement, j'avais envie de lui casser les jambes. Vous savez, c'est pas un truc à dire. Genre, aller voir un mec et lui dire c'est dans la nature. Mes parents avaient. Mon père avait 56 ans. Et ma mère. 40. Tu dis pas à un gamin qui. Enfin, un gamin. J'avais 25 ans. Là, j'en ai 26. J'étais pas. Un gamin. Mais tu dis pas à quelqu'un qui vient de perdre ses parents, c'est dans l'ordre des choses ou c'est dans la nature. Tu fermes ta gueule. Si tu veux dire ça, tais-toi. Tais-toi. Et en plus, il s'est pas excusé. Hein. Genre, il était là au premier degré, il était en mode putain, j'ai dit un truc intelligent là, putain, fier de moi quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, il y a des gens, ils ont pas. Tu vois, dans la tête, c'est pas un cerveau, c'est de la merde. Il a du caca dans la tête, ce monsieur. Un peu trop honnête, hein. Cette vidéo est un peu trop honnête. Est-ce que je vais censurer tout ce que je viens de dire. Peut-être. Peut-être. Bon, en vrai, si je censure pas, est-ce que c'est si grave que ça? Il y a très peu de gens qui regarderont. Et s'il y en a, je pense, ils seront. Ils comprendront, hein. Ils comprendront un peu d'honnêteté, tu vois. On se confie un peu en vidéo. C'est un peu. Ça me sert un peu à ça aussi, hein, les vidéos. Je parle un peu de ma vie. Je me confie. C'est mauvais de se confier sur internet, hein, de raconter sa vie comme ça. Et pourtant je le fais. Mais je suis au courant que c'est très mauvais. Mais je préfère faire ça parce qu'en fait dans la vraie vie, ça m'enlève un poids et comme ça je suis agréable, on va dire, avec les gens que j'aime. Alors que si je gardais tout ça pour moi. Ça me sert un peu à ça. En gros, ça me sert à me vider un peu mes vidéos. Alors que, tu vois, si tu gardes toutes tes peines et toutes. C'est un peu un journal intime. Un journal intime public, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je fais ce que je veux, hein. C'est ma chaîne YouTube, après tout. C'est pour ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me. Tu vois, des amis, quelque part. Des amis qui me disent oui, 4 vidéos par jour, c'est beaucoup trop. Et en vrai, là, je suis en mode.
J'aimerais beaucoup en faire plus. C'est bizarre. Mais en vrai, là, j'aimerais beaucoup jouer à d'autres jeux, mais le problème, c'est que comme je sors 4 vidéos par jour, ben, il n'y a pas la place. Vraiment, je joue beaucoup trop des fois. Bah, surtout depuis que je ne travaille plus. Bizarrement, j'ai beaucoup plus de temps libre. Il y a peut-être un lien de cause à effet. Peut-être. Peut-être. Et encore, c'est pas sûr. Non, ouais, c'est totalement ça. Bon, je doute qu'il y ait grand monde qui. Pour le puits de soleil. Qui va voir tout ce que j'ai dit. C'est l'avantage, hein. En gros, les gens regardent 4, entre 4 et 5 minutes de mes vidéos. Du coup, en vrai, ça va. En gros, je me suis confié à très peu de personnes. Voire, en vrai, je pense si dans un an, une personne a vu ce passage, c'est incroyable. Mais ne me dites pas, genre, ouais, courage, blablabli, blablabla. Vous savez, c'est difficile, mais il n'y a pas que moi qui ai perdu ses parents. Hein. Il y en a d'autres. La vie continue, même si c'est dur. On y pense tous les jours. Peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser, je pense que j'y penserai toute ma vie. Et voilà. Mais merci quand même. Hein. Merci d'être là. Merci de regarder mes vidéos. Ça m'aide. Ça me fait un peu grandir en moi, on va dire. Non, non, ça me fait pas spécialement grandir, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Et je prends énormément de plaisir. Et j'aurais aimé faire des vidéos avant. Je l'ai déjà dit ça aussi. Mais j'avais peur. Et en fait, c'est justement parce que j'ai perdu mes parents que maintenant j'ai plus peur du tout. En fait, maintenant je suis un peu en mode. Il peut rien m'arriver de plus grave. Quelque part. Sauf peut-être si un jour j'ai un enfant. Et qu'il arrive une connerie à mon enfant, là peut-être ce sera. Bah non, pas peut-être, ce sera plus grave. Mais tant que. Dans la vie, il peut rien t'arriver de pire que ça, en fait. Globalement. Du coup, c'est pour ça, maintenant j'ai plus peur. Mais j'aurais aimé faire des vidéos avant. Parce que, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Même si ça fait que 9 mois, hein, ça m'aide beaucoup. Bref, bref, bref. Abonnez-vous. Abonnez-vous ou rentrez chez vous, comme dirait le grand Bob Lennon. Hein. D'ailleurs, c'est un rêve. Hein. J'aimerais beaucoup un jour rencontrer Bob Lennon. Ce serait incroyable. Bref. Bref, bref, bref. Allez. À très bientôt pour la suite de nos aventures avec le Chevalier de la Mort. Le plus grand Chevalier de la Mort de tous les temps. Au revoir.